Alors pourquoi je suis tellement concernée par la diversité des usages, des professions, des métiers? Parce qu'en fait, depuis le début de ma carrière, on me demande de saucissonner, de cibler des gens et de les enfermer dans des catégories en permanence. Donc avant, c'était les catégories socio-professionnelles, après ça a été les styles de vie, après ça a été les communautés, mais en fait, ça reste quand même des enfermements. Or, ce qui est intéressant, même si les logiques générationnelles existent, évidemment, on ne peut pas le nier, mais l'intérêt, est-ce que ce n'est pas justement la jointure et ce qui se passe entre les générations? Est-ce que pourquoi absolument forcer les jeunes à rentrer dans les X, Y, Z? C'est complètement absurde. Eux-mêmes ne se sentent pas du tout concernés par toutes ces numérotations. Bon, c'est un premier constat. Donc, la diversité, c'est aussi une façon d'aborder l'interculturel, la diversité des métiers. Vous verrez que dans l'étude, il n'y a pas que le tertiaire dans la vie. C'est-à-dire que vous êtes assez concerné par le tertiaire parce que je pense que la majorité d'entre vous travaillent un peu dans ces univers, mais il n'y a pas que ça.